aujourd'hui on se retrouve pour faire des boulettes panées cheddar et jambon. Vous allez voir, c'est super bon et très facile à faire. Pour ça, on a besoin de tostinettes de cheddar, d'allumettes de jambon, de panure, de farine et d'un œuf battu en omelette. Première étape, je viens prendre ma tostinette de cheddar. J'y mets au milieu mes petites allumettes de jambon. Et ensuite, on vient tout fermer. On presse bien car le cheddar est bien mou et du coup, il peut prendre la forme que l'on souhaite. Et après, on forme une boule. Je refais exactement la même chose. Mes petites deux boulettes de cheddar sont prêtes. Maintenant, on passe à la panure. Première étape, on les met dans la farine. Ensuite, dans l'œuf. Puis, dans la chapelure. Donc moi c'est de la chapelure asiatique, mais vous prenez ce que vous voulez. Je refais ça une deuxième fois, donc je mets dans l'œuf, puis une nouvelle fois dans la chapelure. Je les mets de côté et je fais ça avec toutes les autres. Une fois que c'est fait, j'ai juste à les plonger dans une huile bien chaude et à les retourner de temps en temps jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Une fois que les boulettes sont bien dorées, je les mets dans une assiette avec du papier absorbant. Et voilà! Cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bye!